Et on baisse la musique, bonjour à tous, c'est Tech. On se retrouve sur Mister Prepper, YouTube, c'est le 29e épisode. Et sur Twitch, merci d'être avec moi. On lance la game et aujourd'hui c'est l'inspecteur qui vient. Précédemment, on a repris un peu le jeu bien sûr, je perds du temps comme d'habitude. Mais on a fait une pièce de culture bien plus sympathique à gérer. Entre la flotte et les bacs à légumes. J'en creuse une deuxième juste à côté pour mettre les premiers bacs simples. Donc on a le tier 2, c'est les bacs jardinières. Tier 1, les trucs pour les carottes et les choux. Je pense que bientôt on débloquera peut-être la serre agricole pour les tomates, pour les citronniers, les orangers. Et nous n'avons plus d'eau. Oups. On n'a plus d'eau, c'est le matin. On prend un risque. En fait, j'ai commencé à faire une pièce spéciale pour mes randonnées. Il faudrait que je revoie comment bouger ça aussi. Placard. Si j'en fais, c'est jusqu'à... si j'en fais deux, c'est jusqu'à midi. On prend le risque. On prend vraiment un énorme risque là. C'est bon ? Non bah je sais bien, dans l'état actuel c'est pas génial. Oh t'es trop lourd parce que t'as tous ces seaux là. Peut arriver là, hein, n'importe quel moment. On est ok. On a viré un placard. Trop lourd encore. Je vais mettre l'échelle ici. On va le prendre lui. Comment ça trop lourd? J'ai rien assez. Ah attends. Est-ce qu'on pourrait sécher des. Non. On peut pas. Est-ce qu'on peut mettre les seaux ici? Déjà. Hop. Et puis tiens, ce que je n'ai pas démonté. On prend le dessicateur. On va poser. Pour l'instant là, voilà, c'est pas plus mal. J'ai quoi sur moi? On a du bois, du métal. Je propose un truc. Il est 14h, on va être prudent, c'est bizarre hein. On met le tapis. Oh punaise, j'allais oublier. On va virer la batte de baseball, la hache évidemment. On se garde le sac à dos. Le casque de mineur, je sais pas si ça passe, je l'enlève. Est-ce qu'on a faim, pas plus? On va faire une sieste, hein. On va jouer les innocents, il reste deux sauts. Puis on va voir comment ça se passe. Inspection, inspection. Ah punaise. Bonjour Bob. Bonjour Mr. Prepper. Le gouvernement, gloire à lui. Ah oui, il ouvre vraiment tout maintenant. Oh, les boules. Sous l'ancien gouvernement, nous avions besoin d'un garant indépendant pour chaque inspection. C'était préjudiciable pour la sécurité et le bien-être. Oh, j'ai oublié, j'ai rien oublié là. Y a rien. Vas-y, prends ton temps, on va rien dire. Il ouvre pas le placard des épices. Il n'ouvre pas le frigo. J'ai pas touché à l'eau, hein. Maintenant je suis autonome. Hein. Il n'ouvre pas le frigo, donc je ne peux pas encore embêter pour l'instant. Moi, ce qu'il faudrait, c'est une gazinière au sous-sol. Je suis archi clean, monsieur le gouverneur. On va dire ça, le gouverneur. C'est un peu Men in Black, c'est excellent. Allez, la note. Tu n'as rien vu. Rien, ni mon nouveau potager. Oh là là. Alors, bah, on est clean, hein, voilà. Pas suspicion. Merci, Mr. Prepper. Ok. Oh, on n'a rien oublié. Il faudrait que je répare ma batte de baseball.
Et on a dit qu'on allait se promener aujourd'hui. C'est parti. Atlas encore plus musclé, oui. Des sous, oui. Et est-ce que le premier Atlas de Sergueï est arrivé? Bah, pas de Sergueï, de lui. Après, on va faire pousser les plantes plus rapidement. Bon, on va prendre le jardinier pour voir. C'est bon, il me reste 100 dollars. On est un peu ruiné là. Je dois d'abord lire l'album précédent. Ok, on va le laisser sur nous. Journal, rapport de l'agent, ouais. Protocole d'inspection. On va acheter tout ce qui est inutile. Même mieux. Attends, il faut bosser. On verra les sauts après. On a un peu de bois sur nous. Comment c'est au niveau énergie? Parce qu'on va aller se promener. Il est déjà 4h30. On va alimenter le lendemain. Ok, on va piquer un peu de bois. Je pense qu'on va en laisser une trentaine. Hein. Voilà. On est à 52. On va juste réalimenter celui-là. Donc celui qui est tout en bas doit être le plein. Parfait. Ça c'est cool. Puis ça se vend bien les concombres en général. Et moi il faudrait que je fabrique aussi deux pièces pompes. Plastique et... ouais. Ça, c'est fait. Au niveau du frigo. On va pas remonter les choses, du coup. C'est la bonne nouvelle. On va remonter des steaks. Je sais pas si on peut les sécher. On va voir si on peut sécher les steaks ou la viande de rat. Chou. Cactus. Que je fasse de la popote pour la balade et que je fasse des armes avant de me coucher. Pas oublier ça. Et on va remettre les seaux, bien sûr. Déjà, est-ce qu'il y a de la place? Voilà, donc il fouille pas encore ça. Ça, c'est cool. Concombre, est-ce qu'il les vend? Je ne sais pas. Et je voulais tester. La viande avec le dessicateur. Alors, Jenny Concombre d'abord. On a un nouveau bouquin, super. On peut lui vendre. 60 dollars. Ok. La viande au dessicateur, on pourrait se promener. Est-ce qu'on peut mettre les steaks? Ah ouais! Est-ce que j'ai récupéré mes seaux? Il pleut, c'est maintenant. Ça rigole pas. Ça, c'est quand même un poil plus pratique ici. J'aimerais pas avoir la vie de Mr. Prepper. Hein. Honnêtement, c'est l'enfer. J'arrive pas à placer celui-là. Bon, en même temps. Voilà. Est-ce qu'on a accès à la poubelle? Et on va jeter le rapport de l'agent. On garde. Non, c'est bon.
On va ranger tout ce qui nous reste. Ah, j'ai pas pu vendre cela. Et maintenant, on va bosser un peu. Il est 20h. On va démonter. Voilà, j'ai récupéré mon bois. La batte de baseball. On va dans la forêt. Ma hache, j'aimerais en faire une deuxième. Voilà, petit guarana, tranquille. Il manque du métal. On se fait une deuxième hache. Attends, pourquoi ? Ah, je l'ai pas pris. J'ai séparé, mais je l'ai pas pris. Crotte. On est ok, 23h. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Des pièges ? On va faire quelques-uns. Jusqu'à 1h du mat. Quitte à aller en forêt. Voilà. Et ici, on va laisser le métal. On recharge vite fait. Et on va aller au dodo. Avant le malaise. Oui, tu vas aller dormir, t'inquiète. On remet tout le bois, on est ultra léger, ultra pété. On va y dormir dans le canapé, prêt à partir. J'ai à manger, j'ai mon énergisant, j'ai deux haches sur moi. Je dirais qu'on est bien. Ça va être cool. Allez, on passe la nuit. Nouvelle journée sans eau. On va avoir de l'arrosage, hein, évidemment. On va se mettre la viande séchée dans l'inventaire aussi. Ça va être pas mal. Bonjour tout le monde! Allez, Mr. Prepper! Tu as faim? Tu as faim? Mange un steak. Voilà, ça c'est cool. On va en emmener peut-être deux. On va sécher la viande de rat si on peut. On part léger, hein. Franchement, là, on va pas réfléchir. Voilà, c'est bon. On a des lamelles. Comment ça se passe au jardin en bas? Ils ont de l'eau. On a 46. C'est bien. On va laisser le guarana sécher ici. C'est pas idiot, hein. On va donc mettre notre viande ici. Et ça, c'est quoi? Basket noir. Ok. Juste regarder le bouquin pour le poids, si on peut monter. J'aurais dû l'acheter quand je le voyais, j'avais un doute. Atlas musclé, le premier. Oui! On l'achète, c'est cool. Bon. Ah, vous savez quoi? Je pense qu'on va retourner fouiner le niveau 4 de la forêt. 1, 2, 3, j'avais rien vu. Le 5, j'ai rien vu, c'était chaud. On a dû louper quelque chose. C'est vrai qu'on pourrait laisser les pièges, maintenant qu'on y est. Mais c'est ce qu'on va faire. Hein. On va remettre quelques petits pièges pour le plaisir. Non, il veut pas, là. Trop près. Non, ça va pas. Voilà.
Qu'est-ce qu'on a? Des appâts rapides, exotiques, gros gibier. Faisons du gros gibier pour voir piéger. Sans piège à ours, on fera le piège à ours plus tard, mais... Il y a toujours l'autonomie, la survie. On va mettre de l'exotique. Voilà. Puis on a plein d'appâts d'avance, c'est bien. Ça c'est ok, on a le pistolet. Et je propose qu'on aille fouiller le niveau 4, parce que je comprends pas. On va voir ça. Bienvenue dans la forêt. Tout est bon dans le cochon, hein mon petit Nelson? Mais oui, tout à l'heure. Le chat est déjà réveillé, le chat a faim. On a la batte de baseball. Oula, H. Pour changer, c'est F. A et E pour taper. Alors. Ouais, donc là, on peut monter ici. Là, il n'y a rien. On inspecte tous les niveaux. On va même manger un steak. Je regarde vite fait à la caméra. Je vois rien, je vois pas d'autre passage. Allez, Mister Prepper. On reprend point par point. On cherche le petit chien de Joe, le mec de la décharge. Et si on le trouve aujourd'hui, je serais content. Nous sommes au 4-2. Ok, on peut pas aller à gauche. T'as quoi en main? T'as la batte. Là, il n'y a rien. Là, il y a le passage. Il y a un petit loup qui m'attend. Et il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'on peut aller directement ici sans se battre? Quoique, c'est de la peau. Hein. Puis, il est que 9h du matin. Ah, vous êtes deux! Ah, vous êtes plein! Voilà. Je pense même, pour faire plaisir, audio... Ça me semble un peu faible. Non, il est au max. Effet au max. Voilà, c'est juste pour nous. On a looté quoi? Une peau. Très bien. Et une viande. Je pense que je suis allé trop vite. T'arrives, t'es accueilli par des loups. Non, mais c'est sympa le niveau 4. Hein. Voilà ce que je disais quand c'était hardcore. Une peau de loup. On arrive par là, on peut monter ici. J'ai pas fait attention au niveau. Je vois rien. À moins qu'il y ait une grotte que j'ai loupée. C'est possible. C'est peut-être à la fin. Si c'est un scénario comme d'habitude, c'est sûrement à la fin. C'est peut-être ça. J'ai dû avoir peur ou j'ai dû failler mourir. Je me suis pas évanoui à un moment de temps. Je viens d'avoir une sacrée baston. Je peux pas être tranquille. Tiens. Voilà. Là, y a rien. Attends, je vérifie bien. On va y courir en même temps que j'explore. Y a des rats. On va les tuer pour la viande et la fourrure, hein. Alors, j'ai débloqué un truc avec un bouquin. Je peux avancer en tapant. Ce qui est sympa dans les combats, on les attend pas. On n'a rien looté. Là-haut dans la forêt. J'ai pas fait gaffe à ma stamina et à ma vie. J'ai jamais été aussi bien en inventaire. Hein. Tiens, allez. Guarana. Ça fait pas tellement mal, hein, la batte de baseball, hein. Ouais. Il est midi. C'est pas chez Jenny, ça. J'ai oublié. Et je vois pas le petit chien. Faut y penser. Regardez, c'était une maison qu'on avait lootée. Il n'y a pas de modif, il n'y a rien, on sort de là. On a déjà tout piqué. C'est vrai qu'on ramasse plus rien ici. Hein.
Bah attendez, je sors les gars. Qu'est-ce que ça donne? Deux peaux de loup, c'est tout. On lira l'Ortus Conclusus plus tard. La batte est presque rouge, ça va mal. Mais la santé est bonne. Ok. On va peut-être prendre la hache. Allez. Oh, ça fait mal. Il est 13h. On est en super forme. Je suis assez content de tout ce qu'on a fait. On peut pas aller à gauche. On est en 4-6. Toujours pas de chien. Non. Je comprends vraiment pas. J'ai dû louper un truc au finish. Au final. Ah, la hache est bien. La hache est bien. C'est dommage qu'on puisse pas... Y a rien. Y a plein de choses là. Danger. Ah. Là, rien. On va se faire le petit rat. Toujours au cas où on aura de la viande. Et alors? Non? Bah go hein! Ah, il déluge! Ah, j'entends aboyer! Vous avez entendu? Oui! Je te vois pas! J'avais pas dû aller aussi loin! Ou alors c'est là que je me suis évanoui, il y a le baston. Ouais. C'est quoi ça? C'est un arbre? C'est un arbre. Ah mais! Je l'avais pas vu! Salut! Chupacabra, c'est lui! Mais je l'avais pas vu, c'était en pleine nuit la forêt. Mais oui. Oh là là! Victoire! Mon pote, comment tu t'es mis dans ce pétrin? Sortons d'ici. Ouais, tu gémis. Le cryptide disparu trop donné, voir Joe. Oui. Évidemment. J'avais rien vu avec la nuit, c'était l'horreur, d'accord. On a le temps d'aller voir, il est 15h. Ah, c'est cool. Allez, Joe. Direction la décharge. T'as vu ça, Nelson? On a trouvé le toutou. Oui. Il pleut dans le désert. Oui, ça arrive. Et il est pas là. J'ai du mal à lire la quête, attends. Ah, il faut quoi? 99 Guarana pour Jenny. Papier William, c'est fait. Ouais, c'est les quêtes en ce moment. Hein. Trouver des lunettes pour Bob, je ne sais pas où c'est. Le pas d'amis, on ne sait pas encore où c'est. Un compteur GGR, je ne sais pas. Pour le niveau 5, on a le levier. Il faudra 30 composants électroniques, 30 métaux. Et pour la fusée, il faut 20 composants électroniques, métaux et de l'hydrogène. Oh là là. Bon, Joe n'est pas là. On reviendra plus tard. On revient chez nous. Et puis, bien, quoi. Ok. J'ai des pots de loup à vendre. Il me reste des appâts. Appâts suprêmes, à la fois rapides et efficaces. 14$ les appâts. Ouais, non, attends. Il faudrait qu'on se fasse de l'argent. Parce que là, on n'a plus grand chose. C'est un peu la dèche, là. On va aller voir dans la mine si j'avais récolté des ressources, j'ai un doute. Ça pourrait être utile. Si on a de l'or, des choses comme ça. Et puis sinon...
crotte, quoi. Niveau moins 1, vas-y. Je crois que j'avais rechargé en carburant. La mine du vieux ruisseau, évidemment. On n'a rien. Super. J'ai déjà tout pris. Du minerai de fer, ça c'est cool. Du métal gratuit. Le moins 3. Comment faire pour le pétrole? Je sais pas encore. Et là on a rien. Bon, on rentre à la maison. On retournera voir Joe demain. Allez, Mr. Prepper, tu peux le faire. C'est vrai que Joe n'est pas tout le temps là. Ah, salut! Oui, oui, bien sûr, vieux curieux. Toujours des bonnes nouvelles. On a bien mérité. On va rentrer au chaud chez nous. Rah. Et du coup, on a des bouquins à lire. L'Atlas musclé, alors on est à 140. Hein. Oui, c'est bon. On passe à 160. On gagne 20. L'Atlas musclé niveau 2. 180. On est au max. Ok. On va ranger les bouquins. Comment on est là? Oh, ça se remplit à une vitesse maintenant. Est-ce que j'aurais pas les livres ici? J'avais posé un placard comme ça. Ça c'est lu, ça c'est lu. Ça débloque quoi? Croissance plus rapide des plantes, c'est bon, c'est validé. Cette photo là, on va la ranger. Attends, est-ce que je l'enlève? Si ça faisait du poids ou pas? Non, ça enlève rien, on va la garder en souvenir. Le levier, on le garde. Est-ce qu'il est lourd le levier? Non. Donc on a le fer à fondre. On a tous ces petits appâts. On a notre hache. Et on a looté un peu de viande. Ça c'est cool. On continue à faire de la viande séchée autour de la chasse. Il faut qu'on s'habitue à faire ça. Au niveau énergie, ça va. Au niveau agricole, ça va pas. Eh ben, on descend. On va se prendre hop, un petit guarana. On ira en forêt. On va avoir un problème parce qu'il nous faut pour Jenny pas mal de guarana. 99, t'imagines? Voilà, on prend une dizaine. Ah, et en plus, on pourra récolter, c'est bien, ça va être prêt. Ça, c'est vendu, on arrose. Je suis en forme. On avait presque fini. Hein. Jusqu'à 23h, c'est vendu. On fait la deuxième pièce agricole, du coup, on est chaud comme la braise. Ça, c'est fait. 23h. On va remonter, on va ranger la terre. Alors, sans se prendre la tête, il y a autre chose à faire. Et il est pas trop tard. La terre, je la range. On prend un peu de métal. Je sais pas ce qu'il faut. On va regarder. On va se faire des lampes agricoles, bien sûr. Mais surtout, l'établi niveau 3, il va falloir... 30 verres, 30 métal. Est-ce que j'aurais ça? Peut-être même plus intéressant.
J'ai 25 métaux, 22 verres. J'ai peut-être quelque chose de plus intelligent à faire. Sel, pierre, métal. Ça, on récupère un métal, on va le démonter. 3 métaux, métal plastique. J'ai une petite jardinière encore là. Les livres de cuisine et 3 livres, on les a. Ça, c'est bon. Ah, déjà pas mal de bouquins. Qu'est-ce qu'on décide? On va dormir. 30 métaux, 30 verres. On mettra à fondre le métal. Il faut qu'on commande de quoi faire du verre. Sur 28. Ouh, yes. Certains objets dans différents lieux réapparaissent avec le temps. Oui, bah, comme Joe dans la décharge, par exemple. On a faim. Chose à faire, mince. Choux, carottes, concombres. On va voir si on peut vendre quelque chose. Hein. J'aurais mieux fait de manger un steak. Attends, on va pas virer les choux et carottes. Les concombres. Il faut vraiment que j'installe mes dernières jardinières, qu'on soit bien. Et il nous faut beaucoup de verre et de métal. Et évidemment, côté pépette, je suis comment, moi? 79$. Hein. On pourrait vendre des concombres et tournesols. Ouais, c'est ça. On va faire le point sur nos graines. Verre, 30 métal pour monter à l'atelier 3. Est-ce qu'on aurait le temps de faire ça? Là, j'ai les appliques. J'ai des déchets à vendre à Jenny. On a du bois, on a de la hache. Verre et plastique. On se fait de l'argent avec les cultures, faut pas oublier. Un peu de plastique. Un peu de verre. On va se faire des lampes agricoles. Et on va faire le point sur les graines. L'agronomie, le pognon, tout. Ok, on va démonter ça, on est encore bon. Pareil, la boîte à cookies, au revoir. La bouloire qu'on avait lootée dans la maison dans le forêt, je pense, ça doit être ça. Et là, on a encore du plastique, du verre. On va laisser le verre ici. Le métal est là, pierre, on va virer la pierre, on va ranger le métal, le bois on vire. Le plastique c'est ok. On va mettre tout le métal ici, donc là on est large et c'est du verre, du coup il m'en manque 14. Ok. On va se prendre un petit guarana, parce que là, on va pas lâcher au niveau agricole, maintenant. Où est-ce que j'ai rangé mes bacs de culture? C'est pas là.
Et puis les graines surtout. Bon là j'ai deux jardinières si je veux. Contrôle de l'eau. J'ai plus que ça. Alors, orange, non. Guarana, j'ai plein de graines. On va s'en rajouter deux guarana. Clairement. Graines de tournesol, j'en voudrais aussi. Et des betteraves, bah oui. Encore une jardinière. Bon, en fait, on va tout prendre, on va ranger ça ailleurs. Il est 13h. On a vérifié tous nos placards. Il y a juste en bas. Et ça manque de placards. On n'en ferait pas un autre. Il me faudrait juste un métal. Il faudrait 8 bois. Donc ça en donne 3. Oh bah écoute. On va prendre une palette. Une chaise. Allez, opération bricolage. Je ne sais pas où j'ai rangé une parcelle de terre. Un petit placard, jusqu'à 15h, on est bien. Et alors, pour faire les pièces de pompage, 2 composants et 4 plastiques. On va finir avec ça, hein. On va y aller vraiment à fond. J'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. 4 plastiques et 2 composants. Ouh, est-ce que je deviendrai intelligent? En moins de 2 épisodes dans un live. Amélioration, oui. J'en fais 2, c'est jusqu'à 17h. On va se dire GG là, si je gère super bien ou pas. On n'oublie pas qu'on a le fer à fond. J'ai bien mes 2 améliorations. Ouais, c'est bon. Là, on a quoi? On va se reprendre 5 petits bois. Merci. Et on recharge les mémères. Donc, cette pièce-là ne sert à rien pour l'instant. On va aller voir le conteneur aussi en bas. J'aurais dû faire ça depuis le début en fait. Les petits guarana ici. Je suis full. Ah oui, quand même. Attends, on va recharger le compère. On va mettre l'autre placard. Voilà. Dans ce placard, on va ranger nos graines de quoi? 10 graines de guarana. Les betteraves, on les garde pour l'instant. Bon, guarana, on a un paquet. Tournesol. Pépins d'orange, on ne peut pas. On va réfléchir. Ah, les parcelles de terre, je les ai. Graines de choux. Est-ce que j'ai de la nourriture à ranger? Non, il veut pas là. Est-ce qu'on peut faire une petite sieste? Je
pas cramer tout. Je vais voir si ça coûte cher ou pas. Jusqu'à 21h. On est bien. On est très bien. Je ne rigole plus du tout. Allez. Parfait. On va dans l'autre pièce. J'ai bien mes lampes. Ouais. Allez, première applique. Deuxième. On va planter les betteraves. Ça, je me suis trompé. Ça aussi. Betterave. Betterave. Ok. L'ensoleillement. C'est pas top, top. Ah, c'est marrant, mais. Qu'est-ce qu'on mettrait ? Tournesol pour l'argent ou un peu de guarana ? On a besoin d'argent. Hein. Mince, on peut pas faire un clic droit glissé, il faut y aller comme ça. Ça, c'est pour l'argent. Besoin d'eau. Voilà, là, c'est pas mal. Ici, on va compléter l'amélioration. Et normalement, je n'ai plus besoin d'arroser. Ah ouais! Faites-moi rêver. Ça doit être ça. T'imagines? Bon, là, on va remettre de l'arc-en-ciel, c'est rigolo. Hein. Hop. Il est minuit, bonnes gens, déjà. Oh, attends. Qu'est-ce qu'on va se mettre comme... Oh, ce gibier sympa. On peut faire... T'as vu Nelson, on peut faire des plaques. En pierre. C'est stylé, ça aussi. Terminé phase 3, la construction de missiles, on aura d'autres tapisseries. Oh, c'est sympa. Ouais, c'est un peu triste. Bon, en même temps, c'est l'apocalypse. Je valide. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est le sol. Ah, ouais, ben, on va faire un parquet. Et là, c'est le plafond. Ouais, ok. Va te coucher. Cours. Il va dormir avec les génératrices. Hein. Bon. Je trouve, franchement... Et ouais, je vois le chrono. Hélas, on est arrivé au bout YouTube pour nos deux épisodes de Mr. Prepper. De ce matin, on a le contenu cette semaine. Twitch, la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on va changer de jeu. Et bah, on arrête là. On a fait quand même le toutou qu'on rendra à Joe. On verra ça au prochain épisode. Et puis l'agronomie est quand même vachement mieux. On va bosser dessus. Donc, prochain objectif, c'est l'atelier niveau 3. Et rendre tout autonome en arrosage, donc il faut que je fasse encore 4 améliorations pour l'autre pièce. Et bah, c'est le bonheur après. Je pense que c'est le bonheur. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans vos commentaires, mais regardez-moi ça. Première pièce autonome, je n'arrose plus. Hein. Je sais pas. On verra, on va surveiller. Et puis c'est là, on va l'optimiser aussi, la fin du monde.
Voilà, c'était TKMON pour vous dans Mister Prepper. On se dit cool. On retourne vers le menu pour la petite musique de vignette. Et Twitch, on se retrouve dans une petite pause de quelques minutes. Le temps de manger à mes petits chats. A tout de suite.